Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Donc, nous avons 4 de cuivre sur nous. Nous avons une nouvelle base de lancement. Donc, j'ai appelé ça une base de lancement finalement, hein, c'est véritablement le terme. Avec une baie des véhicules, un quai des véhicules. Pour une raison que j'ignore, j'appelle ça toujours baie des véhicules alors que c'est un quai, bizarrement. Mais bon, c'est un détail. Ce n'est qu'un détail. Ok, on est bon. On grimpe. Là, actuellement, avec les 4 de cuivre, je vais pouvoir construire la navette spatiale, c'est-à-dire l'évolution de ce qu'est la... Hop. La navette. Donc, non, je vais construire un vaisseau spatial de l'évolution de ce qu'est la navette. Voilà, tout à fait. Je vais donc... Hop. Hop, et je peux la construire. Voilà, vous voyez qu'elle est en train de se construire. Et qu'elle est bien plus imposante que la navette. Hein. Waouh. Allez, c'est balèze. Ok, ah bah elle s'est mise dans le sens parfaitement, j'avais peur qu'elle se mette bizarre. Ok. Certains d'entre vous m'ont fait réagir à un sujet. C'est pourquoi je mettrais pas au moins ne serait-ce qu'un dépôt de carburant ici pour pouvoir recharger le truc. C'est une bonne idée. C'est une véritablement bonne idée. Problème, c'est que du coup, j'ai, en termes de dimension, j'ai pas beaucoup de place. Si on la mettait... Si je disais qu'on la mettait... Par là, ce serait bien. Mais j'ai pas suffisamment de résine sur moi, chers amis. De toute façon, on va déjà aller observer un petit peu ce qu'est cette... navette, on peut voir qu'elle a deux trucs d'hydrazine en place. On peut voir qu'elle a 8 spots en haut par contre. Ça c'est intéressant. Puisqu'on va pouvoir nous en mettre que quelques-uns. Je rappelle qu'on n'a pas besoin d'énormément de place pour les personnages vu qu'il n'y a que moi qui joue cette partie. Je voudrais cependant aller voir un truc, chers amis, avec vous. En termes de... Hop. Spaceship, voilà. Crac. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est l'énergie qui revient. C'est l'énergie qui revient, parfait. Ok. Je regarde la différence entre les habitats et les... Ok. Ok. D'accord. Intéressant. D'accord. Ok. D'accord, intéressant. Donc je viens de lire certaines petites choses, chers amis, vis-à-vis du fait qu'on peut installer, par exemple, cette... Ouais, déjà, il y a ça qui se prépare. On peut installer normalement là-dessus, donc une grue à 3 places. Et j'ai pas, malheureusement, ce que je recherche. Ce que je recherche à l'heure actuelle, chers amis, c'est tout simplement la version mobile, la version, on va appeler ça la version... La version véhicule du storage, donc des coffres en fait littéralement, qui apparemment est extrêmement pratique ici. Donc j'ai envie quand même d'aller voir un truc, chers amis, c'est pourquoi la 3 places il me la met devant. Parce qu'elle prend 4. D'accord. Par contre, elle correspond littéralement à ce que nous avons besoin comme... D'accord. Pourquoi pas. Et moi, ça, je serais plus intéressé par une place finalement, mais...
On verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Ok. Donc, actuellement, nous avons l'énergie, nous avons tout ça. Il nous faudrait de la résine pour avoir notre zone de carburant juste à côté. Et il nous faudrait aussi... donc, il nous faudrait 3 de résine minimum. Et il nous faudrait aussi de quoi la faire, ça, pour la crafter. Ensuite, il nous faudrait aussi pas mal d'objets à aller faire des... Donc, d'artefacts pour aller faire des recherches et trouver les dernières choses qui nous manquent en termes de, comment, de recherche. Enfin, j'aimerais être sûr. J'aimerais être sûr d'une chose. Ah non, c'est pas ici que je vais le voir. Je vais pas pouvoir le voir pour le moment. Je vais aller voir le tarif entre guillemets, si je puis dire. Alors, j'entends un truc qui me fait chier. Ah, mais elle nous passe encore sur la gueule ? Elle passe à côté, non? Non, elle passe pas à côté. Hop. Bon, bon, on va attendre, hein, finalement. Ok. Je vais pas la trouver. De cuivre, d'accord. Donc deux cuivres pour construire le comment la... Comment ils appellent ça ? Le condenseur de fuel. Je sais pas comment ils l'appellent en VF, cela dit. Mais on va devoir aller chercher plein de choses. On va devoir faire de la recherche, on va devoir faire plein de choses. Par conséquent, on va reprendre le véhicule, chers amis. C'est bon, vous êtes calmés ? Ok, très bien. Hop. En fait, je suis en train de rattraper la... D'accord. Ok, on reprend le véhicule et nous voilà repartis. Potentiellement toujours dans la même direction, chers amis, hein, qu'on puisse finaliser un petit peu, si je puis dire, j'ai cru voir un truc à droite, mais non. J'ai quoi sur moi ? J'ai un petit peu de rallonge, j'ai un bloc de commande composite en plus. Parfait. On va se rapprocher un petit peu. On va ramener des objets à rechercher. Crac. Par exemple, on peut voir celui-ci. Que ce soit des compos ou n'importe quoi, mais cela m'intéresse moins. Soyons honnêtes. Cela m'intéresse moins. Je vous rappelle qu'en fait, il y a un certain nombre d'objets prédéfinis sur ce que vous pouvez... Par exemple, ces artefacts-là, si j'ai fait 3 recherches dessus, ça sert à rien parce qu'en fait, j'aurais trouvé tous les objets prédéfinis dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les recherches prédéfinies dessus. Voilà ce qui m'embête un petit peu. Malheureusement, normalement, tous ces objets-là se trouvent aussi sur... comment dire ? L'intégralité... par exemple, celui-ci, j'aimerais bien le récupérer. Je vais le remettre sur le chemin, comme ça, je vais pouvoir le récupérer. Crac. Vous voyez, par exemple, tous les mêmes objets sont sous les mêmes choses. Donc voilà, c'est là qu'est le problème premier. Non mais oh, c'est quoi ce bordel ? Faire de l'énergie en plus, pour plus tard. Ok. Ceux-là, normalement, je les ai tous fait aussi. Là-bas, ça me semble être le même. Voilà. Ça, on pourra continuer à se déplacer sans problème. Ce qui serait peut-être pas mal. Je vous rappelle que dans ce chemin-là, on avait réussi à... Pourquoi il est vert celui-là ? Lui, je sais pas si j'en ai. Lui, je sais pas si j'en ai. Vert avec des pics rouges, je sais pas si j'en ai. Ok. Sous ces trucs là normalement il y en a aussi.
C'est trop près quand il a explosé apparemment. C'est des verres avec les pics rouges. Je vais le mettre là. Ok. Là-dessous, qu'est-ce qu'il y a? Des verres à cailloux bleus, intéressant. Je vais en chier quand je vais devoir tout remonter. Ok, continue à descendre. Ah oui, je me rappelle. Wouah! Encore des trucs qui tombent d'ici. Je me rappelle de cet endroit. Là, il y avait juste un objet ici qui m'avait semblé extrêmement différent des autres, si je puis dire. C'est plat ici, dis donc, ouais. Oh la vache, il faut se calmer, hein, j'étais loin. Oui, celui-là, je sais que j'en ai déjà plein. Là-bas, il y a quelque chose. Oui, là, j'étais loin. Merde, fais pas chier. Voilà. Verre à pic. Là, par contre, il y a quelque chose. Donc, apparemment, à une certaine profondeur, je trouve des nouvelles choses. Voilà. Il y en avait deux là-dedans, ouais. En vrai, j'ai retrouvé ce caillou. Et ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît énormément. Ça, c'est de la malachite pour du cuivre. Peut-être en prendre. Je vais en prendre parce que je vais forcément en avoir besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le condenseur de carburant. Condensateur de carburant. Un peu plus français. Je peux avoir ce truc? Merci. Hop, ok, vous inquiétez pas, hein. Regardez. Le temps que je refasse tout ça, je vais avoir consommé de l'énergie. Énergie que j'ai actuellement en bloc sur moi. Voilà. Et donc là. Hop. J'en avais pas deux comme ça. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit. Là-bas, il y en aurait bien encore un bout. Hop. Non, ça c'est autre chose encore. Je n'ai déjà plus. Oh! Ça c'est encore autre chose. Vert et blanc, comme... enfin vert, blanc et bleu. Ça j'en ai pas, c'est certain aussi. Bon, on y va. Donc potentiellement, chaque fois que vous trouvez un truc de ce genre là, chers amis, une nouveauté comme ça, vous pourrez. Tomber sur quelque chose de nouveau. Donc je vais prendre uniquement les ceux qui me semblent véritablement nouveaux, hein. Et quand on aura le vert là-haut, on récupérera le vert. Hop, merde. J'aimerais pouvoir avoir un bouton pour loquer le sac à dos, pour pas avoir à me tromper des fois et à cliquer dessus. Ce serait vraiment utile. De toute façon, je pense que ce jeu sera véritablement bien plus complet d'ici quelques mises à jour seulement. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on est bon. Ça y est. Hop. Parfait. Crac. Bah, je suis content d'être allé jusque là. J'ai peur qu'il retombe. J'ai eu peur qu'il retombe. J'ai peur qu'il retombe. Ah non, mais tu vas te calmer, toi, hein, déjà. Hein. Voilà. Vous arrêtez de rebondir bêtement et vous vous calmez. Merci. Ok. Bon. Ça, c'est la fête. Le caillou bleu. Effectivement, je l'emmène aussi celui-là. Hop, à 3. Je crois que j'en ai jamais ramené 3. Hop.
Donc en fait, je crois que pour en ramener 3, le secret, c'est de pas sprinter. Ça, vous pouvez... Vous voyez, parce qu'en fait, faut... pour récupérer un objet, il faut arrêter de sprinter. Merde, j'ai fait tomber le truc. Ah, oh, chier. Cela dit, c'est pas plus mal, parce que je vais en ramener un quatrième maintenant. Hop. Voilà. C'est la partie de gameplay la plus intéressante de votre vie, chers amis. Il y a quelque chose avec ces trucs-là. Il y a forcément quelque chose avec ces trucs-là. Je sais pas ce que c'est, mais ils sont extrêmement rares. En tout cas, sur ces planètes, ils sont extrêmement rares et ils font des bruits étranges, entre autres choses. Oula, va pas par là, c'est par là qu'on va, nous. Alors, ne pas se planter dans ceux que je veux ramener. Celui-là. Ah non, je crois qu'il était lisse, celui-là. Je commence à me poser des questions. Encore un nouveau. Je crois que je peux en ramener que 3 de toute façon pour le moment en termes de place sur le rover. Peut-être un quatrième potentiellement si jamais je mets une place à l'avant, mais vous savez qu'il tombe à l'avant. À l'avant comme à l'arrière et ça leur arrive de tomber. C'est pour ça que j'aimerais tomber sur le coffre à véhicule. Qu'on puisse agrandir véritablement notre capacité de transport. Hop. En tout cas je suis assez fier, j'ai pas réussi à me planter avec un... Vous savez, un objet au sol, elle est comment? Une rallonge. Ok, on est bon. Ah, j'ai un deuxième rocher avec du bleu là. Ah, j'avais zappé ça. On va essayer d'en emporter 4, pardon. Je sais pas s'ils sont véritablement nouveaux ceux-là en fait, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, chers amis, c'est l'Alzheimer qui guette. Bah ok. Hop. Je pense qu'on est plus ou moins bon. Hein. Maintenant, il va falloir tout réussir à monter la pente. À 4, ça va être compliqué. Sauf si j'en mets un comme ça dedans. Check it down. Check it down. Tu sers à rien, toi je t'ai déjà trouvé en quantité hallucinante pour le moment. S'il te plaît, roule pas. J'ai été poli, hein, vous voyez, ça marche. Ok, bon, on y va. j'ai été poli, c'est bon. Hop, roule pas. Merci. J'ai pas été poli et pourtant il l'a fait, donc vous voyez comme quoi... Ça sert à rien d'être poli en fait. Quand vous voyez une mamie dans la rue, vous la traitez de grosse vache. Je sais pas pourquoi, hein, grosse vache, c'est la seule insulte qui m'est venue. Et merde, j'en étais persuadé. Je m'étais dit, j'ai fait la remarque comme quoi c'était pas arrivé, donc ça va maintenant arriver. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression de voir des mouvements. Hop, allons-y doucement parce qu'apparemment le jeu n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec ma vitesse. Hop, bon, là je vais quand même sortir, aller les poser. Ça me semble être une meilleure idée. Je peux en emporter 4, génial. Oui parce qu'il en a 8 à l'arrière. C'est logique quand je dis ça comme ça. Allez. Ah j'aime bien, regardez, il a la main tendue, genre il le porte. Ah cool, ah merde, je croyais que tu l'avais fait tout seul. Cool, ok. Ça en fait 2. J'espère que ceux-là je les rapporte pas pour rien. 3. Et 4. C'est bon, ok. Bon, on a ramené 4 objets, dans le meilleur des cas on va avoir... A mon avis, 2 nouvelles recherches, maximum. Tout dépend du nombre d'objets qui nous reste. Hein. Mais on peut avoir, à mon avis, 2-3 petites choses sympas. Question, normalement, la base aussi affiche là-bas. Cool.
Ah, de l'hydrazine, merde. Pousse-toi, hydrazine de mes deux. Hop, c'est bon. Il en chie, hein. Il en chie le camion. Là, il en a vraiment lourd derrière. Je veux pas dire. Blah. Ok, on est bon. Oh la vache. Oh, il en chie. Ok, premier. Serrez les fesses et croisez les doigts. Croisez les fesses et serrez les doigts. Et ce sera une recherche. Génial. Stockage. Donc ça, le stockage, ça doit être le stockage véhicule, chers amis. Donc c'est une très très bonne nouvelle d'être tombé dessus très rapidement. Ici, nous avons... Serrez les fesses et croisez les doigts. Ah, on a plein à trouver dans ces trucs-là, déjà. Ça a le mérite d'être clair. Ici. Comprenez l'utilité des batteries, là, chers amis? Bon, par contre, j'ai pompé les deux, je crois. Hein. J'ai pompé absolument les... Non, une seule batterie. Cool. Là, on a de l'hydrazine, pourquoi pas. Donc, ça veut dire que celle-là aussi, on n'aura rien dedans. Ok. Mais potentiellement, on a trouvé tous les modules. Non, il me reste encore le câble. Vous savez, le câble de remorquage de... De véhicule, on l'a pas tombé. On l'avait tombé dans la partie précédente, mais on l'a pas tombé pour le moment. D'accord. D'accord, d'accord. J'aimerais. Monte dans le véhicule. Hop. Crac. On a du cuivre. On a un petit peu de cuivre. Je pense qu'il va falloir que je le mette en dessous, effectivement. Ok, donc on peut voir que le une place s'est mis en 3 places, grue, stockage. Voilà ce qui m'intéresserait. Et pour ça, il faut 4 composites. Wouah, mais les composites, c'est la vie, je te rappelle, je... Ok, bon, il faut 4 composites. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc je vous rappelle que malheureusement, ces composants, si je puis dire, de... Ah, zut. De véhicules ne peuvent pas être placés sur ces pods là. Vous avez pu voir que c'est la grue qui les place tout seul. Alors, j'aurais bien aimé qu'il... D'accord. Ah, il y a un système de... Ok. Il y a un système de... Comment que ça s'appelle, de choix, vous voyez. Il récupère pas par l'énergie s'il y a moyen de la récupérer autrement. Ok, intelligent. C'est intelligent. Donc l'aluminium, je le laisse là. Donc il va me falloir 4 de composites. 4 de composites, c'est énorme, chers amis. Nous sommes à 23 minutes d'épisode, donc ça va être le dernier truc qu'on va voir ensemble. J'ai un de résine, 2 de résine, un petit peu de lithium. Ouais. Alors, le composite, c'est vraiment le truc que je commence à être en rade, à devoir aller chercher de plus en plus loin pour aller le trouver. Et à détruire le sol aussi pour ça, ce qui m'embête un petit peu au passage. Est-ce que ça se voit, vous voyez, non, ça va pas. Donc voilà, donc du coup je commence à me dire, ce que je vais faire c'est véritablement me servir, eh bien de l'hydrazine. Oh non, pas encore. Mais merde, vous allez me laisser tranquille un de ces quatre? Ah mais l'hydrazine ça rapporte pas. Laissez-moi tranquille. Elle passe à côté. Elle passe peut-être à côté, attendez. Elle passe peut-être à côté. C'est joli quand même, hein, je veux pas dire, mais... Elle passe peut-être à côté. Elle passe peut-être à côté, apparemment. On peut voir encore la navette de là. Elle passe à côté, c'est parfait. On a de la chance. On a de la chance. On a de la chance, on a de la chance, ok. Je sais pas. Je pourrais me servir de l'hydrazine ou... Ou du cuivre. Je pourrais me servir du cuivre que j'ai trouvé. J'ai forcément pas en retrouvé, bien sûr.
Anne. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui venait de respirer dans mon truc. C'était flippant. Je vous invite à remonter dans le temps, là, remonter de quelques secondes. On a l'impression que quelqu'un fait... Et ça fout les boules. Ok, c'est pas grave. Marcus, t'es un peu malade sur les bords, hein, quand même. Hein. T'entends des choses, tu vois des choses, ça va plus. Ok, c'est tout ce que j'ai. On y va. Ok, on est bon. Et on va envoyer la navette, elle nous ramener du composite. Même si, vous allez voir, je pense qu'elle va nous en rapporter exactement 3. Ce qui m'embête un petit peu. Vu que le cuivre doit pas être si rare que ça. Ah non, 6. Ah, cool. Cool, cool, cool. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ok, parfait, merci. Bon bah écoutez, pendant que ça charge, chers amis, ça n'était pas du cuivre là quand même, putain, j'aurais pu en avoir 8. C'est pas grave. c'est pas grave. Pendant que ça charge, chers amis, moi je vais vous laisser là pour cet épisode, je vais attendre l'arrivée, le retour de la navette, enfin de la... du transporteur, on va dire, pour vous reprendre dans un nouvel épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo.